Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester en compagnie des programmes de Canada International. Ce soir, comme quand il est 18h30 sur votre télé, c'est l'instant de le débrief de l'actualité sur Canada International. À peine annoncé, c'est le sujet qui nous préoccupe ce soir. À peine annoncé pour entrer en vigueur vendredi 15 octobre prochain, eh bien la taxation sur téléphone et autres tablettes au Cameroun fait déjà l'objet de plusieurs appels au boycott. Les associations de défense des droits des consommateurs notamment, qui parlaient déjà d'un impôt inhumain, j'ai souligné le concept, soit 33% du prix d'acquisition à l'usine de fabrication des dits téléphones. Alors, question ce soir en débat, s'agit-il d'un impôt nouveau sous le ciel du renouveau? Quelles en seront les répercussions sur le panier de la ménagère? Quelles modalités vont-elles gouverner, notamment le paiement de ces 33% taux d'acquisition à l'usine? Et pourquoi le téléphone est seulement en ce moment précis? Thème en débat ce soir sur le débrief de l'actualité avec nos invités, les invités du jour. Je les accueille immédiatement. Shaw Walters est avec nous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et très proche d'un parti politique qu'on appelle le SDF, le Social Democratic Front. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, de prime abord, vous dites que c'est une mesure qui était latente. Elle était en attente d'implémentation, d'application. Et finalement, là, on rentre dans la phase cruciale de son application. Oui, mais disons que nous avons des beaux textes, mais le problème, c'est l'application. J'ai devant moi la décision conjointe du 13 mars 2020, fixant les modalités de collecte numérique des droits de taxes et de douanes sur les téléphones, les tablettes, les terminaux numériques et les logiciels y afférents. Cette décision, dans l'article 14, nous dit exactement qu'on devait appliquer cette taxe. Mais sauf que dans cet article 14, les opérateurs de téléphonie procédant à la collecte des droits de taxes et de douanes, permettez-moi de le lire parce que c'est là qu'on va planter le décor, suspendus lors du franchissement de la frontière à travers un prélèvement des montants dus sur le crédit de télécommunication du téléphone non dédouané dès sa connexion à leur réseau. À ce titre, ils sont tenus de configurer leur réseau de façon à offrir un droit d'option de paiement de l'intégralité des droits et des taxes dus en une seule traite ou en plusieurs échéanciers. Dans ce dernier cas, le prélèvement se fait quotidiennement à hauteur de 0,5% de la valeur imposable du téléphone concerné ou suivant les paliers de retenue fixés par les textes particuliers téléphone concernés ou suivant les paliers de retenue fixés par les textes particuliers jusqu'à épuisement du montant total des droits et des taxes dues. Allez, maintenant, moralité, oui. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand vous payez votre téléphone, vous payez deux fois la taxe parce qu'il y a d'abord la TVA récupérable sur achat et la TVA déductible sur achat et la TVA récupérable sur vente. Donc, il y a deux TVA. Et quand c'est négatif, ça veut dire TVA due ou TVA d'État. Ce que l'État devait reverser à l'entreprise. Bon, maintenant, le consommateur final paie donc les pots cassés. L'État contourne donc derrière les commerçants pour arnaquer les consommateurs. Parce qu'il y a les non-dits de ce communiqué du ministre. L'article 20 dit que nous devons désormais payer, télécharger une application et le payer 200. 200 avant de télécharger. C'est l'article 20 de cette décision conjointe. Les logiciels communément appelés applications téléchargées à partir des téléphones et tablettes en vue de leur utilisation sur ces appareils sont soumises aux droits et taxes de douane auto-forfaitaire de 200 francs CFA par application et par téléchargement unitaire conformant à l'article 8e de la loi de finances pour l'exercice 2020. Donc c'est clair. Disons simplement à nos téléspectateurs que le ministre des Finances et le ministre des Postes et Télécommunications demandent au consommateur final de payer une taxe deux fois parce que nous payons d'abord la TVA qui est déductible sur achat et nous payons encore droit d'assise parce que les 33% là, même si ce n'est pas précisé dans l'article 14, voudrait dire que nous devons payer les 33% que le commerçant devait payer comme droit d'assise sur l'importation des marchandises de luxe, comme les voitures, des véhicules de luxe. Maintenant, on passe maintenant dans la communication. Rappelons que les entreprises de télécommunication, de télémobile, ont ce qu'on appelle le retour sur investissement
Pourquoi l'État n'a pas taxé ces entreprises et plutôt contourné pour taxer les... Allez, on aura l'occasion d'évoquer ce pan de la problématique. Michel Florence et Dikoumé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une dame de tête et de cœur. Vous communiquez pour le compte du RDP. Ses premières réactions? Ma première réaction, en fait, je réalise que les consommateurs s'agitent. Il y en a même qui versent de l'huile sur le feu pour que davantage cela se fasse. Mais je crois ici que nous vivons dans un État-providence qui a des poches de saignée financière et qui aussi a des pôles de récupération, souvent, au niveau des consommateurs. Parce que je dois avouer que le texte qu'il citait tout à l'heure date quand même de 2019. L'État n'a pas voulu le rendre applicable en ce moment-là. Tout de suite. Mais bon, graduellement, nous réalisons que cela se fait. Alors, je ne sais pas comment l'État du Cameroun fait par rapport à toutes les sollicitations au niveau toujours en termes de redevances, en termes de redevances au niveau, n'est-ce pas, des structures qui sont établies dans notre pays. Nous avons ceci, il faudrait que l'État subventionne ci, que l'État subventionne cela, mais sans pouvoir compter en retour, n'est-ce pas, sur ses citoyens. Alors, nous sommes, disons, 85% de Camerounais qui n'avons jamais vu une taxe fiscale au Cameroun. Parce que généralement, une fiche est fiscale. Parce que beaucoup de Camerounais ne payent pas d'impôts. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas chez nous. Mais curieusement, à chaque fois maintenant qu'on veut une participation efficiente, n'est-ce pas, des populations dans la cité fiscale, c'est toujours un tollé de gauche à droite. Alors, comment cet État-providence fait pour pouvoir gérer au quotidien, n'est-ce pas, notre pays, pour pouvoir financer tous vous les dites secteurs. Que le Cameroun, c'est un État-providence. Oui, sans que, franchement, les citoyens ne viennent en aide à cet État-là. C'est l'État qui est la mamelle nourricière. C'est l'État qui est la mamelle nourricière. Qui mais fournit il est temps tout. Aussi que les gens sachent, que les populations sachent, que pour atteindre un développement efficient, pour atteindre le point d'achèvement de certaines choses, pour atteindre l'émergence, il faudrait aussi se sacrifier d'une certaine façon, venir en aide à l'État. Alors, pourquoi ce mamelle-là? Pas seulement maintenant. Vous avez bien dit que cela date de la loi de finances d'il y a... la loi de finances, 2020. Voilà, 2020. Oui. Et ce n'est pas une nouvelle taxe. Depuis 2019, cela est dans les prévisions. Mais bon, graduellement, on met des choses en place. Maintenant, on veut que cela se fasse parce que peut-être, du côté de la douane, on a réalisé une certaine saignée. C'est-à-dire que du côté des commerçants véreux qui ne veulent pas le faire, et on a réalisé que la contrebande également aussi a pris une certaine ampleur, bien que les frontières soient fermées, certains réussissent encore à passer par les mailles des filets. Faustin, en tout cas, est-ce que vous, peut-être vous allez réagir oui, tout à l'heure. Oui, je suis parler de la douane. Je voulais préciser qu'il y a les fraudes douanières. Entre 2010 et 2015, la CONAC nous a présenté un rapport de plus de 1 200 milliards comme fraude douanière. Et on a les recettes douanières de chaque année de 100 milliards. Donc, l'État a suffisamment perdu beaucoup d'argent comme dans les fraudes douanières. Et voilà pourquoi on est en train de demander aux consommateurs finaux de payer le prix. Allez, on reviendra éventuellement tout à l'heure sur les modalités de financement du budget de l'État. Non, mais 28% des Camerounais sont pauvres. C'est ça qui est dommage, madame. Non, écoutez, il est question, n'est-ce pas? Attendez. La tarification de cet impôt est graduelle. Ce n'est pas tout le monde qui paye le même taux. Ça dit qu'on a, classifié les produits. Il y a bas de gamme, il y a de gamme moyenne et haut de gamme. Et je crois même que cette histoire... Et les prix diffèrent selon, oui, évidemment, diffèrent la gamme selon du téléphone, gamme du téléphone et des tablettes. Et je crois même que cela viendra même assainir, n'est-ce pas, le paysage économique chez nous et le paysage sécuritaire où, généralement, les gens auront peur aujourd'hui d'acheter des téléphones volés de peur de se retrouver à payer une taxe qui ne leur est pas issue. Même si on peut rappeler qu'il y a un texte, un décret de 2015 qui donne l'occasion aux Camerounais de pouvoir acquérir 3 puces par opérateur de téléphonie mobile, cela signifie que chaque Camerounais pourrait se retrouver si on s'en tient au nombre d'opérateurs économiques actuellement avec 12 puces et donc 12 Camerounais. Alors, Faustin Etouké, je voudrais vous interroger sur est-ce que, selon vous, c'est un choix économique? C'est une norme qui était prévue depuis 2019, elle n'a pas été implémentée, c'est graduellement, comme le disait Mme Dikoumé tout à l'heure, c'est un choix économique, c'est un choix ordinaire, selon vous, ou alors extraordinaire? Alors, merci déjà de l'invitation, Pierre Ghislain. Merci aux téléspectateurs de Canal 2. Merci à Monsieur Walter du SDF et puis à Madame Dikoumé du RDPC. Je constate, sans vous taquiner, Pierre Ghislain, que vous faites de plus en plus venir des dames du RDPC pour la communication, pour probablement nous empêcher de trop tirer sur, par galanterie, n'est-ce pas, sur... OK. Cela dit, pour répondre à votre question, étant entre autres... casquette d'abord politologue et donc quelqu'un qui questionne plus les lois
dans leur dans leur rapport de force avec la société et puis le pouvoir dirigeant, nous allons dire que cette nouvelle taxe... Elle n'est pas nouvelle, elle est nouvellement ancienne. Cette taxe qui a été déjà votée. Cette taxe, non, la loi a été votée, c'est une chose. Maintenant, pour le citoyen camerounais, il y a une nouvelle taxe qui va arriver. C'est-à-dire, il y a quelque chose... Et on parle d'une affaire qui rentre en vigueur le vendredi prochain. Nous serons le 15 octobre 2020. Oui, il y a quelque chose qui va diminuer son pouvoir d'achat. Et c'est peut-être là que nous allons d'abord, dans un premier temps, camper le débat. Parce que les citoyens camerounais, vous savez, c'est quelqu'un qui vit avec... un SMIC au Cameroun qui est environ de 36 500 francs, 36 270 centimes. Et c'est vrai qu'il y a des ministres de la République qui ont dit qu'on peut vivre avec cette somme au Cameroun. Il n'en demeure pas moins que nous allons faire une petite comparaison pour bien camper le débat. Il y a un pays que les Africains, les Négro-Africains n'aiment pas trop qu'on cite, peut-être à cause de l'historicité coloniale. Nous allons quand même dire que le plus petit salaire qu'on paye en France permet à un Français qui gagnerait ce petit salaire d'avoir, par exemple, 1000 litres d'essence. S'il ne veut acheter que de l'essence, son pouvoir d'achat lui permet d'acheter 1000 litres d'essence. S'il veut acheter de la bière, il peut acheter 1500 bières. Bien, au Cameroun, le plus petit pouvoir d'achat, si un Camerounais veut acheter de l'essence, il en aura pour moins de 80 litres. S'il veut acheter de la bière, il aura moins de 70 bières. C'est déjà pour dire que si on laisse tomber la monnaie, ce que le citoyen français peut avoir avec ce que l'État lui donne, ou alors ce que l'État a prévu qu'on lui donne, il aura plus de biens concrets. Au Cameroun, c'est déjà très faible. Et nous le disons pourquoi ? Parce que dans cette France-là, on a voulu mettre une petite taxe il y a 2 ans. On l'a appelée TIPCE, taxe intérieure sur les produits de consommation énergétique. C'est-à-dire que ça allait diminuer légèrement le pouvoir d'achat français, qui, on vient de le dire, en comparaison du pouvoir d'achat camerounais, est quand même faramineux. Vous comprenez, un petit Français, il peut s'acheter 1000 litres d'essence chaque mois. Moi, je peux pas m'acheter 80 litres d'essence, un SMIC équivalent. Vous comprenez un peu. Un dixième. Donc, un peu moins d'un dixième. Mais ce petit Français-là, on a voulu grignoter un peu son pouvoir d'achat avec l'introduction d'une nouvelle taxe, la taxe intérieure sur les produits de consommation énergétique. Les Français ont rempli toutes les rues de la France, les gilets jaunes, et le gouvernement a fait marche arrière. Pour dire quoi ? Pour dire en fait qu'en dernier ressort, derrière une loi, il y a des considérations politiques, il y a des considérations techniques, il y a la faisabilité. Et les Camerounais, ce n'est pas un pays, on va dire, ex nihilo comme ça. Donc, le gouvernement, il est probablement dans son droit ou alors sa prérogative d'essayer, n'est-ce pas, d'élargir l'assiette fiscale pour rendre des missions de service public. De l'autre côté, le citoyen également, il peut estimer que, bon, à un moment, son pouvoir d'achat, qui est déjà assez maigre, assez frugal, n'a pas nécessairement besoin d'être diminué. Et lorsqu'on a fait cette première comparaison, on va dire, le petit citoyen français qui est descendu dans la rue pendant plusieurs semaines, pour ne pas dire pendant plusieurs mois, pour forcer son gouvernement à ne pas diminuer son pouvoir d'achat, c'est quand même un citoyen qui sait que l'argent public sert quand même à quelque chose. Parce que ce petit Français-là, s'il tombe en route, le SAMU vient le porter tout de suite. Vous comprenez ? Il y a beaucoup d'autres services sociaux qui sont à sa disposition. Bien, au Cameroun, le pouvoir d'achat semble être quand même très faible, parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire avec 80 litres d'essence par mois ou avec 70 bières seulement. Donc, c'est pour dire... On peut le boire, non ? Non, on parle de l'essence et de la bière parce que ce sont des produits de très grande consommation et qui permettent de mesurer le niveau de vie d'un pays à l'autre. Sinon, on peut aller aussi au pain, au kilogramme de viande, de lait, de beaucoup de produits. Donc, le Camerounais a déjà un pouvoir d'achat très faible. Et si donc ce Camerounais-là, quand l'État même a récupéré de l'argent, on ne sait pas trop bien comment,
décident de le redistribuer de manière hasardeuse, pour ne pas dire inique, pour ne pas même dire cynique. C'est-à-dire, vous avez cette forme de redistribution légale de l'argent public à travers ce qu'on appelle la mercurial de prix qui frise l'indécence, où légalement le ministère du Commerce dit, bon, vraiment, le BIC va coûter, je dis comme ça, 400, 500. Et donc, c'est un prestataire de service qui aura un super, un faramineux bénéfice. Un bénéfice qui, bien sûr, sera partagé hors caméra avec les ordonnateurs de la dépense, avec les contrôleurs financiers, avec les agents comptables et tout un tas d'autres personnes dont on va voir des citoyens camerounais s'enrichir sans qu'on puisse dire qu'il y a corruption. Parce que quand vous allez fouiller, il n'y aura pas corruption. C'est un agent qui sort légalement. Donc, nous sommes dans un pays où, logiquement, si l'État veut être performant, l'État peut déjà commencer, par exemple, si l'État veut avoir un peu plus de ressources, il faut abolir la mercuriale de prix. On ne peut pas me dire qu'un sac de ciment, par exemple, coûte 4-5 fois plus que le prix du marché et on voudrait prendre mes impôts, moi, citoyen camerounais, pour le redistribuer hasardeusement aux gens, c'est-à-dire là où mon pays peut faire 10 km de route. Avec le système en vigueur, on ne fera qu'un kilomètre de route et on voudrait que moi, citoyen camerounais, qui vit au SMIC, que je supporte cela. Mais est-ce que ce n'est pas un système de redistribution des fruits de la croissance? Non, c'est un très mauvais système de redistribution. Parce que s'il faut comparer, n'allons pas à Kigali, n'allons pas en Chine, restons au Cameroun. Nous avons déjà eu deux républiques, ou alors deux administrations, c'est-à-dire deux présidents de la République. Il y a le modèle économique qui avait été pensé à l'époque, par exemple, par le premier président, où il y avait une façon de redistribuer. Quand vous entrez dans un bus et que ça coûte 50 francs, ça veut dire que l'État a redistribué. Vous vous rappelez qu'il y a eu la sautuque. Vous vous rappelez qu'il y a le gaz aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'il y a eu ce qu'on appelle. Il y a le gaz domestique au rang des produits. La Madjeni. C'est pour dire l'État est plus ou moins. Il y a quand même des produits souverain. Qui sont subventionnés. Il y a le pétrole, il y a tout ce qui part de la pompe, gaz domestique. Si on veut, mais je veux dire, le citoyen camerounais, quand il veut circuler sur une route publique, il se pose des questions. Quand il va dans un hôpital public, il se pose des questions. Quand il va dans une université, un lycée public, il se pose des questions. Parce que c'est très vestuste en termes d'équipement. Très bien, on vous a compris. C'est assez normal. C'est normal pourquoi? Parce que s'il faut une seringue et l'État dit j'achète à 500 francs alors que la seringue coûte 50 francs, c'est normal qu'il n'y aura pas suffisamment de seringues. Mais l'ancien système, l'ancienne politique publique économique à grande échelle, macroéconomique du Cameroun, sous le président Ahi Diou, ça fonctionnait d'une autre manière où on ne mettait pas tellement en avant le système qui est mis en avant maintenant, qui est légal, mais qui plombe sérieusement les ressources de l'État. Très bien. Aujourd'hui, au Cameroun, pour revenir un peu. Je chute par là. Aujourd'hui au Cameroun, si vous vous rappelez bien, le stade Omnisport, je n'ai pas voulu le stade Amadou Ahi Diou, et puis le stade à Douala, ce sont des infrastructures qui ont été construites en moins de 2 ans. C'est-à-dire du moment où on dit au président Ahi Diou que la prochaine canne c'est chez toi, il se fâche, il commence à chercher même de l'argent. Le moment où il trouve l'argent, on construit ces stades en moins de 7 mois. Aujourd'hui, l'argent qui a été dépensé pour ces stades-là, on ne ferait même pas les vestiaires aujourd'hui parce que les infrastructures publiques coûtent énormément cher. Et elles coûtent énormément cher parce qu'on implémente une mauvaise politique. Très bien, on vous a compris. Mais là, pour revenir au téléphone. C'est le citoyen qu'on doit venir prélever ou créer des nouvelles taxes qui sont légales, mais ma foi, qui violent quand même la décence. Ce n'est pas décent. Pour revenir à la question qui nous interpelle le plus ce soir, Madame Dikoumé, avant de repasser par Show Walters, la question du téléphone. Est-ce qu'on peut se dire que l'État du Cameroun est un peu en cours d'idée pour pouvoir aller chercher l'argent là où se trouve, pour pouvoir financer le budget de l'État? Monsieur Pierre Ressono, j'ai déjà tantôt répondu à cette question avant que vous ne me la posiez. Je vous ai dit que toute étude faite, l'État connaît ses saignées financières, ses poches de saignées financières, et sait aussi à quel niveau il pourrait refuser, n'est-ce pas, pour essayer de compenser d'une certaine façon de l'argent dépensé. Et pour revenir, n'est-ce pas, à la comparaison que mon compagnon est en train de faire par rapport à la France, je vous le dis que la France, c'est une comparaison malvenue dans la mesure où la France est un pays où tout est normé. Tout est vicié. Ah, vous dites que le Cameroun n'est pas normé? Non. Le Cameroun est normé, mais je voudrais dire que là-bas, lorsqu'on parle du SMIC, on tient compte, n'est-ce pas, de toutes les dépenses. Mais chez nous, il y a une tolérance administrative qui veut que le secteur informel étant en 80, le secteur économique étant à 90% tourné vers l'informel, nous laissons faire.
nous laissons faire. Donc le SMIC, en fait, ce n'est qu'une façon de parler. Lorsque nous regardons le train de vie des Camerounais aujourd'hui, nous ne pourrons même pas estimer que c'est par rapport à ce SMIC-là que nous vivons. Pas du tout. Nous voyons des investissements monstres dans les périphéries de Yaoundé. Lorsque vous arrivez même dans la circulation, les voitures que vous voyez vraiment sont au-delà du pouvoir d'achat d'un Camerounais moyen. Désolé, madame, un seul individu a parfois 50 voitures. Là, on et ne dit pas que de ça, peut-être c'est une façon d'avoir essayé de proclamer pour essayer de normer, mais une tolérance administrative qui amène les uns et les autres à vivre, ça dit que de façon ostentatoire. Et même, nous avons toute cette jeunesse, tous ces acteurs économiques qui sont dans les marchés, nous réalisons que même là-bas, qu'est-ce qu'ils donnent en termes de transfert de fiscalité, n'est-ce pas, de ces petits impôts libératoires qu'on prélève ça et là pour l'assiette fiscale. Vraiment, c'est de combien? Alors, c'est un système global, alors? Ce n'est qu'un système global. Donc, ce choix économique, c'est donc un choix économique. Hein. Enfin, on peut penser que cela s'arrime à ce choix économique qui a été pris comme option par le gouvernement de la République. Mais pourquoi il y a tant de tollé autour de la question du téléphone, le téléphone sur lequel on va imposer, alors que tout le monde ne s'acquiert pas quand même un téléphone? Disons simplement que le gouvernement a le rôle de lutter contre la pauvreté, mais on a l'impression que le gouvernement lutte contre plutôt les pauvres. Je vous ai dit que 28% des Camerounais sont pauvres en deçà du seuil de la pauvreté. Maintenant, l'objectif, c'est d'élargir l'assiette fiscale. Rappelons que l'impôt sur les sociétés, c'est cet impôt que les entreprises doivent verser la taxe maintenant à l'État. Pourquoi l'État ne peut pas récupérer cet impôt sur les sociétés? Parce qu'il y a d'abord impôt sur les personnes de revenus physiques, dont les salariés. Maintenant, impôt sur les sociétés, dont les entreprises, les téléphones mobiles, où ils ont un retour sur investissement. Maintenant, impôt sur la dépense, c'est là où la TVA intervient et le droit d'assise. Or, avant, le droit d'assise, c'était pour les importations des produits de luxe. Maintenant, nous dépensons. Vous avez constaté que nous avons une balance d'abord commerciale déficitaire depuis 10 ans. Et avec ce déséquilibre entre les revenus et la dépense, on importe plus qu'on exporte. Et ça influence le PIB national, au niveau national. Maintenant, l'État demande aux consommateurs finaux, qui sont ces pauvres Camerounais, de payer la TVA. Vous êtes pauvre? Je dis pauvre Camerounais. Alors, je ne veux pas faire une déduction. Ah, donc vous n'êtes pas un Camerounais considéré comme faisant partie des 28% auxquels vous faites allusion? Non, là, vous voudrez vraiment m'attaquer. Non, c'est là. Une question, je voudrais juste savoir. Je suis en train de faire une analyse générale. Que 28 populations, c'est-à-dire plus de 7 millions de Camerounais sont pauvres. Je ne parle pas des sans-emploi, parce que ce sont plus de 13 millions. Mais finalement, qui travaille au Cameroun alors? Il y a 7 millions qui sont pauvres. D'autres sont chômeurs. Sont sans emploi. Chômeurs, donc ils on ont fait des formations. Même, Walter, ils ont fait des formations, ils ont des diplômes de formation professionnelle, mais n'ont pas d'emploi. Il y a des gens sans emploi et il y a maintenant des pauvres. Il faut faire la différence. On est à 20 millions de pauvres. On est dans un pays où d'autres ont beaucoup d'argent et d'autres n'ont rien. Maintenant, revenons sur le téléphone mobile. Je vous ai dit que c'est clair. Ils veulent élargir l'assiette fiscale. Et pourquoi le consommateur final paye donc le prix? La raison d'être, c'est juste parce que l'État suppose qu'il n'a pas d'argent, alors que les ministres changent de mobilier de bureau, les matériels de bureau, chaque fois quand ils sont nommés, toutes les deux semaines. Et ça pose un véritable problème. Pourquoi on dépense assez d'argent ailleurs pour importer et maintenant contourner derrière les commerçants pour demander aux consommateurs? Très bien. Et ça aura maintenant les conséquences sociales. Et il y aura beaucoup plus de microbes au Cameroun qui vont se multiplier parce qu'ils veulent agresser les gens et arracher les téléphones déjà activés sur cette plateforme qui est interconnectée. Vous avez parlé des microbes? Oui, c'est les conséquences. Il y aura beaucoup d'agressions. Les gens vont plâcher les téléphones. Allez, on peut les gens vont plutôt arracher les téléphones parce qu'ils savent qu'ils vont payer l'impôt. Allez, on voilà peut les conséquences. On peut et échec d'une l'industrialisation. Si le pays était industrialisé, qu'on devait payer ce qu'on consomme. Si on devait produire les téléphones, ce problème ne devait pas se poser. Allez. Si on ne devait pas avoir un problème de malvenance, de détournement des deniers publics et de régime dictatorial féroce, voilà les conséquences aujourd'hui. D'ici 2035, vous aurez beaucoup de choses qui vont arriver qu'on ne va pas supporter. Très bien. Vous avez parlé des microbes. Hein. Je oui, rappelle que c'est un élément de conséquence. C'est une conséquence que vous évoquez, mais voilà. Je rappelle que les microbes rencontreront Martin Barangele sur leur chemin. François Mboke nous a rejoint finalement. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de publication de Diapason. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous aussi, vous êtes venu à bord de la moto comme Monsieur Walter Shaw. Non, j'ai emprunté la moto parce que nous n'avons pas de route au Cameroun. Au début de l'émission, il a accusé le RDPC d'avoir pas construit. J'ai abandonné ma La
voiture pas construire parce qu'on n'a pas de route. Mm. Vous ne pouvez pas circuler. Je ne comprends pas. Mm. Nous sommes dans quel pays madame, où vous ne pouvez pas circuler. Oui, je voudrais revenir là. Je rappelle que vous êtes arrivé à Canal 2 cet après-midi. Le RDPC n'a rien dit. Vous avez échoué. Non, non, vous passez la main à une autre personne. Non, je voudrais lui dire on passe la main ou bien il faut une compétition politique. Il faut une transition politique. Il a fait allusion aux entreprises tout à l'heure. Je voulais lui dire que c'est déplorable. Madame Dikoumé, je voulais vous poser, avant que vous ne continuiez, je voudrais rappeler, je prends le personnel de Canal 2 Yaoundé à témoin. Vous êtes arrivé à Canal 2 aujourd'hui dans le coup de 17h30. Donc vous êtes vous vouliez prévoir ce qui peut arriver comme embouteillage. Donc vous acquiescez ce qu'il dit. Non, je n'acquiesce pas. Comment ça? Pour la simple raison que si vous êtes arrivé tôt, c'est que vous avez prévu qu'il peut y avoir des embouteillages. Non, c'est à cause des intempéries, pas forcément les embouteillages. Ah d'accord. Il a plu énormément chez moi lorsque je suis arrivé ici, il flottait encore. Mmh. Alors, donc ce n'était pas pour les besoins d'embouteillage. Oui. Des prévisions d'embouteillage. Bon, quelque part oui, mais beaucoup plus par rapport au climat qui n'était pas favorable depuis le matin. Il flottait sur la ville et je me suis dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'au moment où j'aurai besoin d'une voiture, je ne l'aurai pas parce qu'il n'y aura personne pour me prendre sous la flotte. On s'en félicite d'ailleurs. Je voulais revenir, n'est-ce pas, sur les entreprises dont il fait écho. Mmh. J'ai tantôt soulevé ici qu'il y avait une telle tolérance administrative chez nous que les entreprises même sont quasi inexistantes. Ils sont la PDG, DG, mais pourtant le paysage économique ne change pas. Elle dit que c'est toujours l'État qui subventionne tout. Nous avons la pandémie du Covid-19 en ce moment. Nous aurons voulu voir le secteur privé qui est le plus efficient mettre la main à la poche et soutenir l'État dans ce combat-là. Mais combien d'entreprises se sont... Mais est-ce que ce n'est pas l'inverse ailleurs, madame Dikoumé? Non, c'était l'inverse ailleurs, mais ici, vous avez vu quoi? C'est plutôt l'État qui a prélevé 25 milliards pour soutenir, n'est-ce pas, le GICAM, et qui estimait même que malgré cette magnanimité, ce qu'on a donné était infime. Vraiment aux grandes dames de tout le monde. Je suis donc en train de lui dire que même par rapport à ce téléphone, vous, chef d'entreprise, vous n'avez de bureau nulle part. Vos bureaux sont dans vos téléphones portables. Pourquoi ce serait un problème pour vous aujourd'hui de pouvoir payer cette taxe-là? Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne fonctionnent qu'à travers cet outil. Alors, ce sont les entreprises qui sont visées alors? À défaut d'en élargir l'assiette fiscale de façon efficiente en allant, n'est-ce pas, payer les impôts où cela se doit, mais accepter donc qu'on prélève la taxe. Impôts sur les sociétés, donc, c'est ça que l'État devait récupérer sur les entreprises. Parce que les consommateurs, final, payent ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Mais et c'est déductible à chaque moment d'acheter le téléphone. Le consommateur difficilement se retrouvera avec un. Que l'État aille chez les entreprises. Difficilement. Donc, les smartphones, vous les trouvez où? Très bien. C'est une incongruité légale. Vous trouvez les iPhones où? Entre les mains de ceux qui ont un pouvoir d'achat crédible. Très bien. François Mboka nous a rejoint. Je ne vais pas prendre son téléphone portable, pour exemple, pour bien montrer qu'il est chef d'entreprise. Mais je voudrais rentrer avec lui sur une question d'ordre pratique et pragmatique. François Mboka, tout le monde n'achète pas le téléphone, c'est vrai. Il y a parfois des gens qui acquièrent le téléphone dans d'autres pays en Europe comme dans d'autres pays africains et puis en font cadeau aux Camerounais vivant sur le sol camerounais. Est-ce qu'on va donc taxer sur le cadeau? Bien sûr, c'est prévu. Malheureusement, il faudra payer désormais les cadeaux que vous n'avez pas demandé. C'est là un des problèmes que madame ne veut pas reconnaître ici. Je pense qu'elle a une lecture un peu superficielle de l'économie camerounaise, de qui fait l'économie, de qui en profite. L'économie camerounaise est totalement repose aux mains des pouvoirs publics dans l'État. Qui produit, c'est pour ça que seuls les hommes prospères que soutiennent l'État peuvent avoir des raisons d'être. Si vous travaillez en dehors du système de l'État, vous ne pouvez pas prospérer aujourd'hui au Cameroun. C'est connu, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les recherches. Alors, lorsque les pouvoirs publics sont donc handicapés par ce qu'on appelle la Covid-19 qui est venue nous surprendre tous, nous pensions quand même que la priorité était que, au moment où le consommateur peut respirer, qu'on lui donne quand même un moyen de survie. Ça veut dire, même si on a prévu que la loi devrait prendre effet en 2020, le 15 octobre, que, avec tout ce que nous avons fait. Parce qu'il faut dire qu'il y a... Vous convoquez le contexte pour dire que c'est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. La COVID était une étape importante pour les pays comme le Cameroun qui n'ont pas subi des conséquences négatives pour se relancer. Mais que font les pouvoirs publics aujourd'hui? Les pouvoirs publics prennent toutes les conséquences de la COVID et les déposent sur le consommateur final, sur le petit Camerounais. C'est pas juste, c'est pas acceptable. Donc on se serait attendu que les
entreprises dont évoque madame ici soient soutenues, c'est-à-dire qu'il y ait déjà au niveau... Mais elle a parlé de 25 milliards qui ont été mis à la disposition du GICAM. Mais je ne sais pas si madame parle de 25 milliards. Il y a plus de 3 000 milliards que l'État devait reverser aux entreprises. Je ne sais pas. Le chiffre que vous donnez là, ça ne représente rien, même 1%. Et quelle a été la contrepartie des entreprises dans la gestion des crises? Les entreprises ont besoin de plus de 3 000 milliards que l'État devait les reverser, comme TVA a dû. Ça semble que oui. Oui, et donc il faut dire que les pouvoirs publics du Cameroun devraient commencer par nous sortir des stratégies qui ont été arrêtées au niveau, par exemple, de la planification. Nous avons un ministère au Cameroun qui s'occupe de l'économie et de la planification. Qu'est-ce qui est fait? Nous avons été frappés par un choc qui a frappé tout le monde entier. Comment les autres pays se sont ont fait pour s'en sortir? Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour pouvoir s'en sortir? Je pense que c'est par là qu'on devait commencer. Et non qu'au moment où on pense que nous ne pouvons même pas encore gérer la rentrée scolaire, qui est encore rendue plus chère cette fois à cause de la Covid, parce que vous avez des enfants que vous accompagnez à l'école une fois, il faut les accompagner maintenant deux fois, les prendre deux fois, il faut nourrir deux fois. Surtout pour quelqu'un qui a une dizaine d'enfants comme François Mbokel. Voilà, comme François. Ils sont une dizaine. Je pense que j'ai une équipe de football. Donc, je ne suis pas le seul Camerounais à le faire, et je dirais aux Camerounais, si vous ne le faites pas, les Chinois vont le faire à votre place. Il faut faire les enfants. Donc, il faut le faire. C'est le concept pratique de François Mbokel. Pourtant, au Cameroun, on prône la parenté responsable. Alors, quand vous en avez donc au-delà, n'est-ce pas, de vos moyens, quand vous en avez au-delà de vos moyens, mon cher, quand vous en avez au-delà de vos moyens, qui blâmez-vous? Ne me dites pas que votre père était ministre pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Pas du tout. Peut-être que c'est votre chance. Pas du tout. Mais il a su limiter, n'est-ce pas, le nombre. Non, arrêtons de penser qu'il faut avoir des milliards pour avoir des enfants bien éduqués et bien structurés et qui réussissent dans la vie. C'est faux, cette étude que l'on vous... Madame Koumé, c'est une confidence. Ne le dites à personne, dites-le moi. Ils sont combien de votre côté? Mes enfants, je n'en ai que deux. Ah voilà, avec tous les moyens que vous avez. Justement, parce que je voudrais pouvoir leur accorder le maximum. Non, madame, l'enfant aura... À moins qu'il y ait une vérité cachée qui... Non, l'éducation de l'enfant... Comme chez nous, on ne déclare pas les impôts. C'est l'occasion pour monsieur sur le plateau de déclarer, n'est-ce pas, ses revenus, afin que nous sachions apprécier comment est-ce qu'il réussit à encadrer une dizaine d'enfants par les temps qu'ils disent eux-mêmes difficiles. Mais les temps sont difficiles, on n'a pas dit que tout le monde va mourir, il y a toujours des gens qui survivent, et même si les microbes viennent à être payés. Alors François, vous étiez en train de grainer un peu les nouvelles charges sur le panier de la ménagère, au rang desquelles l'accompagnement des enfants en deux blocs, cela revient naturellement un peu plus cher. Oui. Vous avez évoqué les pertes dues à la Covid-19, et maintenant vous évoquez la question... d'emploi. Il faut voir des conséquences au niveau de l'économie. Les gens prennent seulement il y a eu la Covid, l'État a fait ceci. Les mesures que l'État a prises pour accompagner les PME, les entreprises ne sont pas efficaces. Parce que l'impôt n'est payé que lorsque vous consommez, lorsque vous fonctionnez. Si l'État dit vous ne payez pas ce que vous n'avez pas fait, quel est l'apport qu'il vous aura apporté? Très bien. En dehors de cela, aujourd'hui, le Cameroun est l'un des pays au monde les moins connectés sur le numérique. Et pour que le numérique commence à être rentable, il faut qu'en matière d'incertain, nous sommes à moins de 15%. Nous serions attendus qu'au moment où la Covid arrive, pour booster la consommation des produits numériques, que l'État accompagne plutôt les Camerounais pour avoir accès à ces outils et peut-être que plus tard, voir comment rentabiliser. Très bien. Mais ce n'est pas au moment où nous sommes encore frappés de plein fouet par les conséquences qu'on aurait dû sortir toutes ces mesures-là qui auraient pu être appliquées dans 2-3 ans. Showwaters, je voudrais vous réitérer la question que j'ai posée tout à l'heure sur le cadeau. Est-ce que un monsieur qui part d'un autre pays, d'Europe ou d'autres pays africains, qui vient au Cameroun, qui vous fait cadeau d'un téléphone, est-ce que ce cadeau sera taxé? Et d'un des deux, qu'en sera-t-il des personnes qui sont détentrices de quatre téléphones? Est-ce que ces personnes-là devraient payer quatre fois? Bien, c'est lui qui envoie le cadeau au Cameroun. Le cadeau va arriver comment? Ça va arriver au port. Ça va passer par les frontières. Non, Faustin, lui qui va assez souvent de ce côté-là, mais dans le valise. C'est ça qu'on appelle les fraudes douanières.
C'est ça qui est fraudonnier, parce que normalement, ça devait entrer normalement. Bon, on devait couper dans le droit d'assise. Quand voilà. Le téléphone arrive, laissez-moi développer, quand le téléphone arrive d'abord à la frontière, que ce soit au port ou bien maritime, aérien ou par voie routière, quand ça arrive à la frontière, on coupe d'abord le droit d'assise pour ce téléphone. Maintenant, puisqu'il y a des fraudes douanières, on ne va plus couper là-bas, c'est suspendu, on va plutôt couper à l'achat, dès l'achat du téléphone. Maintenant, un téléphone qui a été acheté ailleurs, oui. Il rentre sur le sol camerounais. Je voudrais qu'on soit à la sur un cas pratique, oui. Un téléphone qui a été acheté à l'étranger, qui arrive comme cadeau au Cameroun. Est-ce que ce cadeau-là sera, j'ai envie de vous poser la question de savoir. C'est vous qui mettez taxé. Cadeau. C'est vous qui mettez cadeau. Mais économiquement, il s'agit d'un... à l'entrée là, on vous taxe que c'est un produit qui a été acquis. Mais c'est vous qui parlez maintenant de cadeau. C'est le sens de cadeau, mais économiquement, l'État sait qu'on doit couper le droit d'assise. Maintenant, quand le téléphone traverse donc la frontière, ça arrive au Cameroun, ça, on achemine chez vous, et vous avez, dès la frontière, ça, c'est depuis la frontière qu'on coupe. Maintenant, celui qui a acheté au marché au Cameroun, quand il rentre chez lui pour insérer dans la puce, il y a une plateforme. La plateforme est interconnectée avec toutes les autres entreprises de télé mobile. Maintenant, vous insérez la puce, on vous demande donc de payer numériquement, parce qu'il y a les terminaux numériques. Soit vous payez par tranche, ou vous versez une seule fois. Vous pouvez faire le recharge. Vous rechargez votre compte. Ou bien vous faites un transfert et on coupe directement. Ou bien une fois que vous avez fait les recharges, on va couper un peu jusqu'à ce que ça finisse. Deuxième question, dimension de ma question. Oui, peut-être. Mais il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Quand vous payez le droit d'assise dès l'achat du téléphone, avant de télécharger une application, vous devez payer 200. Comment les 200 là, comment ça va se passer? Puisque, par exemple, il y a une entreprise de télémobile qu'on vend 500 gigas à 1000 francs. Maintenant, désormais, on pourra vendre à 1000 francs 2500 gigas ou bien 1000 francs 1000 gigas, 500 gigas. Donc, on va doubler le prix pour couper les 200. Soit dans les 1000 francs, on augmente à 1200 500 gigas. C'est dans l'article 20 de la décision conjointe du 13 mars 2020 ce que le ministre n'a pas dit aux Camerounais. Et c'est ce qui est dangereux, parce que les consommateurs finalement n'en savent pas encore, ils n'en connaissent pas encore. Il y a 200 qu'il faut payer avant de télécharger une application. Celui qui a la puce doit payer au moment d'insérer la puce. Si le téléphone est activé, ça veut dire qu'avant d'activer, on a déjà payé. Donc, je ne sais pas si je vous ai répondu. Et qui fixe le prix du téléphone? La question de la fixation du prix du téléphone. Attendez, laissez-moi le répondre. Le prix du téléphone, c'est le vendeur, c'est le commerçant. Oui. Quand il achète à l'étranger, il paye les impôts. Alors, si c'est un vendeur local, comment le gouvernement de la République s'en rendra compte du prix du téléphone? Je vous ai parlé. Vous allez au marché Mopi à Douala, je ne sais pas, Mokolo à Yaoundé ou Baladji Yangaoundéré. Est-ce que le gouvernement saura quel est le prix d'achat de ce téléphone à l'usine et par où il a transité pour pouvoir implémenter les 33%? Bon, la grille des prix, au niveau des fixations des prix, il y a les produits sont catégorisés. Comme les téléphones de luxe, les téléphones qui sont moins chers. Maintenant, tout le monde connaît. Ça va dépendre maintenant de celui qui va à Douala en Bokbo acheter des téléphones pour revenir vendre à Yaoundé. Si on va inclure les frais de transport inclus, dépenser aussi pour transporter, donc les frais de transport, distribution, et maintenant l'installation, patente et la licence, là où il s'installe dans sa boutique, par exemple au marché central. Toi qui viens acheter le téléphone, il y a les charges. Les charges dès l'achat du téléphone, transport. Ah ben celui qui peut acheter en Chine pour revenir vendre à Douala, il paye aussi en Chine. Au port, il paye le droit d'assise. De s'installer à Douala, il paye l'impôt à la commune. Et l'entreprise elle-même paye l'impôt sur les sociétés. Toi, maintenant, qui viens acheter, tous ces frais additionnés entrent dans ce que j'ai appelé tout à l'heure taxe sur valeurs ajoutées. La TVA. La TVA. Très bien. Non, alors, dont l'État devait laisser à ce niveau. On étendre donc le droit d'assise sur les frais de télécommunication, ce qui est illégal. C'est pour ça que je voulais parler que c'est le Congo. J'ai un cas pratique qui tombe à pic. Parce que l'année dernière, il y a un cousin qui a envoyé un téléphone à un de nos cousins. Donc, il a envoyé à mon adresse par les agences qui font les transactions. Je suis allé chercher le téléphone. À cet endroit, il y a effectivement un bureau de douane. Voilà. Ce téléphone était à deux générations de moins que la génération qui était sur le marché. Vous savez combien on m'a demandé à payer à la douane? Non.
plus d'un, c'est-à-dire plus de 100 000 francs pour un téléphone qui avait été donc offert entre guillemets et qui avait subi, suivi ce canal-là. Donc une taxe sur la douane. Oui, donc au niveau des douanes, il y a des grilles en fonction des prix. C'est donc bon. Dès qu'on ne va activer, Samsung ne sait pas combien, il y a un montant qui s'affiche pour vous donner le prix, un peu comme les véhicules, ça se fait comme cela. Donc maintenant, le problème donc que nous avons, c'est que le téléphone qu'on va vous dire qui coûte 200 000, ici au Cameroun, il y a 45 000. Alors, qu'est-ce que vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait retourner tranquillement ce cadeau à son expéditeur. Non, ça veut donc dire que vous n'étiez pas un bon consommateur. Un bon consommateur, c'est celui qui paye. C'est celui qui paye. Permettez une seconde. Vous savez pourquoi l'État fait ça? Je vous ai parlé de fraude douanière, 1200 milliards entre 2010 et 2015, ce rapport de CONAP. Un bon consommateur chez vous, c'est quoi? C'est celui qui paye. Mais vous devez payer les taxes, monsieur. Lesquelles? Vous cessez d'être Camerounais. J'ai un téléphone. Vous payez la TVA. Tout le monde paye la TVA. Coûte 40 000 au Cameroun. Vous refusez, vous retournez le téléphone parce que vous ne devez pas payer la taxe. La taxe à plus de 100 000 francs. Si vous êtes salarié, vous payez l'impôt sur les revenus de personnes physiques. Monsieur, nous sommes en économie là. Nous sommes en économie. Oui. Vous m'envoyez un téléphone qui coûte 50 000. On me demande de payer 100 000 francs, 100 000 francs en plus de taxes. C'est quand même sur le marché camerounais à 40 000. Faut-il que je paye parce que je suis hyper. Prenez le cas d'un véhicule. Qui a 500 000 en Suisse et au Cameroun. Je pense que au Cameroun, au port, pour dédouaner, il faut 2500 000. Nous ne parlons pas de la même chose. Si le même véhicule au Cameroun coûte 200 000 et que l'on me demande de le dédouaner à 200 000. Ce sont les textes et la loi de finances. Mais demandez à vos invités qui représentent les populations de ne pas dormir à l'Assemblée. Non. Ils dorment à l'Assemblée, ils valident les textes. Voici la conséquence. Ils ont dormi à l'Assemblée. Oui, à l'Assemblée, ils pointent les jetons de présence et signent, valident les textes. Aujourd'hui, on entend, ils lèvent le ton pour dire que non, l'État ne doit pas. Alors qu'ils ont validé les textes. Voilà ça. Ce texte n'a pas été défendu. C'est la loi de finances. Il n'a pas été défendu. Il a commencé un débat et le débat ne s'est pas achevé. Malheureusement, les décision conjointe. Disait c'est ça. Signé le 13 mars. Vous n'avez pas. On va retenir. On va arrêter. Il s'agit pas d'un texte. Il s'agit d'une décision conjointe. Je lisais, monsieur le journaliste, c'est des finances. Vous avez. C'est une décision conjointe. Le ministère pour les télécommunications. Même Postel aussi. Postel. Voilà. Ils ne sont pas l'Assemblée. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Très bien. Allez. Postel et Touquet. Question pratique. Comment cela va se passer pour un Camerounais, dont vous-même, qui est détenteur de 4 téléphones? Est-ce qu'il va payer 4 fois? Chaque téléphone ou équipement électronique de communication qui appartient au même individu sera-t-il imposé 4 fois? Numéro unique d'identification. Là, c'est l'ingénieur qui est en train de parler. C'est vrai que nous avons des écoles d'ingénieurs au Cameroun. On fait des cours d'électronique, mais les gars sortent là, ils ne comprennent rien à rien parce que rien n'est fait pour que les gars comprennent vraiment. Mais chaque équipement électronique a un identifiant unique dans le monde. Ce qu'on appelle numéro email. Et à partir de ce numéro, on sait exactement de quelle marque il s'agit, où il a été fabriqué. Donc, ce n'est pas avec les yeux comme ça qu'on va fixer la valeur d'un téléphone. À partir de l'email, on dit, bon, ce téléphone a été produit en 2015, voilà sa valeur. Maintenant, les lois du marché, c'est assez fluctuant. Le téléphone peut avoir été déprécié. C'est la loi de l'offre et de la demande. Un téléphone qui passe très bien sur le marché, le prix va monter. Un téléphone qui n'est pas demandé, le prix va baisser. Mais l'email ne va pas changer. Donc, ceux qui vont asseoir des droits de taxation sur le téléphone, ce sera à partir de la valeur sortie d'usine, qui risque de ne pas connaître une variation. Maintenant, pour répondre à votre question, d'après ce que la décision conjointe signée là, mars 2020, vous avez un téléphone, vous payez pour votre téléphone. Vous avez deux téléphones, vous payez pour deux téléphones. Vous avez cinq téléphones, vous payez pour cinq téléphones. Ça ne fait même pas l'objet d'une discussion. Bon, maintenant, si vous voulez, on peut dire peut-être comment contourner cela, quoique ce ne soit pas la question qui soit posée. Le politologue va peut-être dire une question que vous n'avez peut-être pas posée. Pourquoi maintenant? J'ai posé cette question à l'entrée de cette émission, M. Etouquet. Le Camerounais a ses préoccupations. Le citoyen lambda a ses préoccupations. Mais le gouvernant, celui qui tient les rênes de l'État, il a aussi ses préoccupations qui ne sont pas nécessairement, ma foi, celles du Camerounais lambda. L'opinion publique, dans un pays, l'opinion publique, c'est aussi vu comme un petit vecteur politique, comme une petite force politique. Mais l'opinion publique,
restait une force évanescente à l'époque où les communications résidaient principalement sur les boîtes postales, la correspondance épistolaire, c'est-à-dire des cabinets qui mesuraient l'audimat, l'audience, les statistiques, les journaux écrits. Aujourd'hui, vous avez un instrument qui permet presque de mesurer en temps réel ce qu'on appelle l'opinion publique, c'est-à-dire la force de la volonté du peuple. Et malheureusement, ce sont ces jouets-ci, vous comprenez? Donc, ces jouets qui permettent aux gens d'être interconnectés en permanence, à un moment où vous entendez une vidéo est devenue virale. Je suis à Yaoundé 2, je suis dans une bibliothèque de la ville, je ne sais pas trop ce qui se passe dans la République, je rentre le soir, je me connecte, je vois 50 messages dans 50 groupes par exemple, et je me rends compte qu'il y a un message qui revient dans 50 groupes peut-être 20, 25, 26 fois, donc plus de la moitié. C'est quoi ce message qui revient? Vous téléchargez la vidéo, vous voyez par exemple un médecin en train de presque bousculer une jeune dame parce que la dame ne veut pas qu'on vaccine son enfant. Voilà un simple fait social qui est partagé peut-être en l'espace de 3-4 heures à 2 millions de Camerounais. Et les gens se prononcent, c'est-à-dire beaucoup se mettent à critiquer l'action. Avant, ce n'était pas possible. Vous avez donc aujourd'hui ces joies électroniques qui permettent en temps réel de mesurer l'opinion publique. Et l'opinion publique, malheureusement, c'est une force politique. Alors, vous allez donc comprendre ce que les gars du gouvernement sont en train de faire, c'est-à-dire les collègues ou alors le parti proche du pouvoir de la jolie dame qui est à l'autre bout du plateau. Madame Michèle Florence Dikoumé. Oui, j'ai retenu Madame Dikoumé, c'est même le nom, bon, ce serait une dame peut-être savoir. Donc, si j'étais comme Etouquet, pour ne rien exagérer, si j'étais par exemple conseiller spécial, disons, du chef de l'État ou d'une de ces grosses villes de la République, j'allais probablement faire ce que les gars sont en train de faire. Quel est le moyen qui peut permettre de freiner la propagation des flux électroniques? Alors, c'est ça, la compréhension politique. Vous vous rappelez que quand c'était chaud Onozo, vous vous rappelez que quand c'était chaud Onozo, je dis chaud pour que les Camerounais comprennent, quand c'était chaud Onozo, on a coupé Internet là-bas, un point, c'est tout. On a coupé. Parce que les exactions, parce que bon, si on coupe Internet, ce n'est pas parce qu'on a peur de la population, mais c'est parce que ce qu'un militaire va faire là, ça va tourner sur la planète, etc. Donc, au moins, il faut freiner l'information. Alors, aujourd'hui, on freine l'information comment? Les gars sont intelligents, mais à un moment, c'est la perversité, parce que l'intelligence doit servir à construire. Moi, je ne comprends pas ces Camerounais-là qui n'ont une intelligence que quand il faut penser des choses qui sont innées, qui sont cyniques. La loi faible des grands nombres en mathématiques. Ceux qui font la richesse des grandes entreprises, MTN, il y a aussi Orange, ou il y a Nextel, ce ne sont pas les gros consommateurs, je veux dire, ce ne sont pas les patrons d'entreprise. Ceux qui font leur richesse, c'est le petit gars qui recharge sa connexion chaque jour à 100 francs. Parce que quand vous avez 1 million de recharges à 100 francs par jour, ça fait 100 millions. Donc il y a des gens qui peuvent consommer 10-15 000 par jour. J'ai eu un patron à un moment, quelque part là, il envoyait parfois sa secrétaire recharger 400 000 francs de téléphone. Moi, j'étais scandalé parce que ce n'était même pas mon salaire. Donc il y a des gens qui... Ce patron-là, il est à Yaoundé? Bien sûr. Il est à Yaoundé. Vous croyez qu'un Camerounais normal peut ne pas être à Yaoundé et consommer 400 000 francs de téléphone? Le poumon économique du Cameroun, c'est Yaoundé. On croyait que c'était là, la capitale économique, comme on l'appelle affectueusement. Capital économique, d'accord, et le mot économique. Mais au Cameroun, l'économie est d'abord politique. Le Cameroun, c'est une terre qui vend des ressources naturelles. Ça peut être l'agriculture, ça peut être des ressources minières. Le Cameroun ne produit rien. Les lunettes que je porte là, qui coûtent très cher, c'est pas fabriqué au Cameroun. Vous comprenez? Donc le téléphone que j'utilise, c'est pas fabriqué au Cameroun. Mes ordinateurs, ils sont pas fabriqués au Cameroun. Il y a rien qui est produit au Cameroun. Donc vous ne produisez rien, vous pouvez pas parler d'économie. Donc c'est l'État qui va être le grand régulateur de l'économie. Et donc ils ont mis dans cet instrument qu'on ne fait que critiquer. On peut quand même se féliciter de la tenue vestimentaire de François Mbokey qui, elle est produite localement. Cela fait partie quand même de la production locale. Je doute fort que ce tissu... Et consomme camerounais. Les broderies semblent locales. Mais je dis la fabrication même, je ne suis pas sûr qu'il y ait des tisserands camerounais qui réussissent. Si c'est bien, mais je dis, ce serait l'artisanat. Et l'artisanat, ce n'est que pour les riches. Parce qu'il faut savoir que quand on produit de manière industrielle, on touche un grand nombre. Quand on produit pour 2-3 personnes, l'artisanat, c'est-à-dire quelque chose qu'on a dessiné, c'est pas une machine qui a fait tout en série fait, là. Tout à fait. L'artisanat, c'est pour les riches. Vous comprenez? Dans la maroquinerie des
des choses comme ça. Donc, ça peut être vanté, mais donc, c'est pas économiquement viable. Parce que pour que quelque chose soit viable, il faut que ça touche un grand nombre de personnes. Très bien. Les télécommunications, on a dit 100 francs par exemple. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'État est dans une position un peu embarrassante. Parce que les opérateurs de téléphonie mobile, eux, ils veulent vendre. Ils n'ont pas le problème avec la politique économique de l'État. Eux, ils veulent vendre. Maintenant, ils vont se rendre compte que le gars qui mettait 100 francs pour communiquer chaque jour, on lui dit, hein, les 100 francs là, on va couper, par exemple, je ne sais pas moi, 3 francs chaque jour, ou alors, ça ne sera plus, il ne pourra plus activer son forfait. Il va réduire son forfait. Or, maintenant, le Camerounais peut dire, ok, d'accord, je vais maintenant utiliser 110 francs par jour. Il le pourrait si son pouvoir d'achat avait augmenté. Mais nous venons de dire que le pouvoir d'achat camerounais, il est essentiellement faible. Peu importe le discours enjoliveur que Mme du RDPC vient de dire en disant que ce n'est pas vraiment indexé sur la vie réelle, qu'il y a des gens qui. Il y a des gens qui ont 40 maisons à Yaoundé. Il y a des gens qui ont 50 voitures. Ils peuvent prendre des chauffeurs et les voitures vont tourner là. 50 voitures. Je vous dis qu'il y a des gens à Yaoundé qui ont plus de 50 voitures. Donc, mais allez dans les parkings des ministres. Faites semblant de ne pas comprendre le Cameroun. Donc, les voitures qui roulent là, certaines sont ultra neuves. C'est-à-dire, une voiture sort il y a peut-être 4 jours au Japon. Vous voyez un Camerounais qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ev qui a cette voiture. Mais il a fait comment? Peut-être qu'il s'agit d'un opérateur économique. Très bien. Ils ont le droit. Oui, mais les opérateurs économiques au Cameroun tiennent nécessairement de l'État. Vous n'êtes pas connecté à l'État comme dans la matrice, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas vivre économiquement au Cameroun si vous n'êtes pas connecté à l'État central. Donc, il faut peut-être arrêter de rêver. Nous ne sommes pas au Japon, nous ne sommes pas en Chine, nous ne sommes pas au Canada où il y a une économie, un tissu économique indépendant. Lorsque nous avons donc dit cela, l'opérateur de téléphonie mobile, lui, il a un problème parce qu'on dit, mais on va réduire ma marge de marché parce que le Camerounais va devenir réticent à charger 100 francs. Il n'a pas plus que 100 francs parce qu'on va couper à la base. Donc, c'est la finalité politique qui va primer. C'est-à-dire, il faut réduire, n'est-ce pas, l'interaction entre les Camerounais, c'est-à-dire la matérialisation de l'opinion publique qui permet de déconstruire les politiques gouvernementales en temps réel. Très bien. C'est surtout de ça qu'il s'agit. Alors, Michel Florence, du coup, mais le RDPC a bien compris. Je vous ai vu très attentive par rapport aux explications de Faustin et Touquet. On peut prolonger cette réflexion. Est-ce qu'on a fini, entre guillemets, d'informatiser les choses élémentaires pour en arriver au téléphone? Est-ce qu'on n'a pas fait un bond quand même? Écoutez, vous n'allez pas adresser ça au Cameroun. Le Cameroun vit est un État interconnecté. Il y a une telle interdépendance entre les États aujourd'hui qu'on ne saurait plus demander aux Camerounais de vivre en autarcie. Ça, ce n'est pas faisable. Nous avons aujourd'hui la révolution du numérique et je suis très contente, vous m'avez vu regarder M. Touquet qui vraiment a étayé, n'est-ce pas, les bienfaits du numérique. Mmh. La seule différence, que je ne suis pas d'accord avec lui, lorsqu'il veut nous faire croire que c'est une politique des pouvoirs publics de museler les citoyens afin qu'on ne soit plus au courant de ce qui se passe à gauche et à droite, non. Vous savez, les mots tels que taxes, fisc. J'aimerais que ça obéisse déjà au paysage économique camerounais. Mmh. Que les Camerounais sortent de la cistana. Que nous prenions un peu en main. Est-ce que ça n'a pas nous un doute sur nous vivons économiquement dans un état végétatif. Et vous savez, le dynamisme d'un pays, c'est-à-dire que le développement d'un pays est adossé sur le dynamisme aussi de ses populations. C'est-à-dire que le Camerounais attend qu'on lui donne tout. Le Camerounais attend que l'État donne tout. Subvention sur le carburant à la pompe, subvention sur le sac de riz importé de Taïwan. Non, attendez un peu. Franchement, nous demandons trop à cet État. Qu'est-ce que nous-mêmes particulièrement nous faisons pour cet État-là? À écouter le discours de mes copanélistes, je crains pour la décentralisation qui est déjà en marche. Parce que dans la décentralisation, il faudra que le citoyen soit lui-même acteur participatif du développement. Alors, si déjà pour une tasse comme celle-ci, nous crions, et j'ai tantôt souligné que beaucoup d'entreprises se trouvent dans les téléphones. Il y a plein d'entreprises là qui n'ont pas de locaux, hein. N'allez pas les chercher. Tout est en ligne. Alors, si déjà ces entreprises commencent à crier, oh là, à la taxe, qu'en sera-t-il maintenant de la décentralisation. Parce que par rapport au financement de la décentralisation, nous savons déjà que l'État, lui, a 15% de transfert en termes, n'est-ce pas, de ressources. Mais on voudra maintenant qu'à la base, que les Camerounais produisent, n'est-ce pas, des projets à hauteur de ces 15% afin, n'est-ce pas, de rendre dynamiques les communautés et les communes. Mais lorsqu'on se met maintenant à crier pour une taxe, et il y a même mon autre copanéliste du SDF qui estime que du PAP. Voilà, excusez-moi de peu, oui. Qui estime que nous payons doublement la taxe. Je ne sais pas comment ils usent de ce calcul-là dans la mesure où nous avons dit, et je crois à l'unanimité, c'est le prix, n'est-ce pas, par rapport, c'est le prix du téléphone par rapport à l'usine. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport au commerce.
sur le marché. C'est-à-dire que lorsque le ministère des Finances publiques affectera à chacun un code unique, n'est-ce pas, pour pouvoir identifier, n'est-ce pas, le consommateur. Et à travers ce code unique, vous pourrez soit récupérer votre numéro, soit vous connecter dans le réseau avec efficience. Alors, on a dit que lorsque vous mettez votre puce dans votre téléphone, automatiquement, vous recevrez un message qui vous donne déjà les modalités de paiement. Je ne sais pas où est-ce qu'il va trouver les deux taxes que nous payons. La TVA, et puis, il faudrait déjà soulever que si le téléphone a été dédouané dans les normes, est-ce que franchement, nous connaîtrons encore des difficultés avec cela, puisque c'est une façon de contourner, n'est-ce pas, la contrebande effectuée par certains agents économiques véreux. Donc, il est temps que nous sortions de là. Vraiment, soyons des citoyens dynamiques et dont l'État, n'est-ce pas, à pouvoir développer notre pays. Accompagnons la citoyenneté, semble clamer Mme Michèle Florence Dikoumé. François Mboquin, c'est donc un problème de beaucoup moins de gouvernance que de fiscalité, ou l'inverse? C'est un problème de gouvernance. Et je pense que M. Touquet l'a bien expliqué. Le gouvernement avait maille à partir avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous savez que le premier Camerounais, dès le départ, avait dit que il avait averti la jeunesse que c'était un danger. Et alors qu'aujourd'hui, comme madame le dit, beaucoup de Camerounais, pas seulement beaucoup de personnes dans le monde entier, font des milliards de francs grâce seulement à leur petit téléphone portable. Mais c'est devenu un grand investissement, c'est devenu un grand outil de développement. C'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre que le gouvernement du Cameroun sacrifie cela pour des raisons politiques. Parce que cette décision n'a rien d'économique. Ceux qui ne pouvaient pas payer ne payeront pas. Tout à fait. Ceux qui payaient vont continuer de payer. Donc il y aura pas, vous n'aurez pas plus de téléphones vendus ou plus de SIM ou de terminaux que nous les avons aujourd'hui. Bon, c'est un choix politique. Nous pouvons comprendre que la situation actuelle l'impose. Mais nous disons, contre quoi? Le baril de pétrole a été bloqué lorsque nous étions à 90 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 30 dollars le baril. Il coûte la même chose. Est-ce que vous voyez que ce genre de politique que l'on dit assise sur des valeurs explicables? On nous parle qu'il faut payer les dettes de Sonara et tout ça. Est-ce que c'était cela l'enjeu? Donc, je pense que au-delà de ce téléphone, le gouvernement du Cameroun est habitué à ce genre de petites manœuvres qui sont présentées comme une panacée, mais qui vraiment ne sont pas une panacée pour que l'économie se relève. La presse, par exemple, qui a été dans le monde entier l'un des secteurs les plus touchés par la Covid, qu'est-ce que le gouvernement du Cameroun en fait? Je peux poser la question. Vous êtes journaliste, nous sommes là, nous consommons tous les produits de presse tous les jours. Est-ce que quelqu'un s'est levé un jour pour demander comment les enfants se font même pour nous produire le journal? Je vois Ghislain Issoune tous les jours bien habillé en cravate. Comment il fait? Comment son PDG fait? Ailleurs, on a posé ces questions et on a réagi. Vous posez la question à Mme Dikoumé? Bon, je pense qu'elle pourrait répondre parce qu'on m'avait dit qu'elle est représentante de l'administration. Et surtout du comité central de l'ARDC. Qui ne maîtrise pas comment M. Issoune fait pour être toujours tiré à ses pieds. Mais l'ARDC, c'est un parti administratif, vous voulez dire. Au-delà de cela, nous pensions quand même que le gouvernement du Cameroun, j'ai eu dire l'autre jour, j'ai même lu un communiqué ce matin où on a mis à la disposition des PME 2 milliards de francs pour relancer l'économie. Je ne sais pas si on pense qu'en mettant 2 milliards, et les 2 milliards, vous savez qui vont revenir les prendre? Les amis de madame. Parce que c'est ça l'affaire au Cameroun. Le gouvernement crée le Piazi, qui vient prendre les crédits du Piazi. Ce sont les amis de madame. On crée le PAGERU, qui vient prendre les crédits là-bas. Ce sont toujours les mêmes. Alors qu'ils sont déjà suffisamment assis qu'ils pourraient permettre aux autres. Et donc à l'économie de pouvoir circuler. Ici, je pense que c'est madame qui disait que les Camerounais ne sont pas entrepreneurs. Mais je dis, vous n'avez pas fait un tour. Vous ne savez pas de quoi sont capables les Camerounais. Mais chaque jour, ils sont à la recherche parfois de 50 000. Moi, ils sont venus me voir plusieurs fois. De 50 000 pour développer un business et devenir indépendant, ils ne trouvent pas. Parce que vous revenez
dans toutes les niches, récupérer tout. Sauf elle. Ou, pardon. Sauf Madame Bécoulé. Je voulais justement souligner à l'endroit de je voulais que le RDPC n'est pas un parti État, il est simplement le parti au pouvoir. Alors je crois qu'il y a cette nuance-là, même si, bien. Certains, où est-ce que vous la voyez? Même si pour certains, la marge n'est pas assez. Le secrétaire général n'est pas assez visible, mais retenez-le ainsi. C'est pas un parti prérogative État. Du ministre d'État, c'est connu. On nomme le secrétaire général. Mais pourquoi on nomme le secrétaire général comme ça? Là n'est pas le débat. Revenons, n'est-ce pas, sur la taxe téléphonique. Ne faites donc pas la nuance que vous voulez faire. Nous savons que c'est le parti au pouvoir. Très bien. Alors, Walters, pour revenir un peu à cette problématique de l'impôt au Cameroun, il y a l'impôt sur le taxi, l'impôt sur ceci, l'impôt sur un certain nombre de produits, la bière. Cela ne va pas en rajouter à ce que les uns et les autres ont considéré comme étant l'impôt inhumain au Cameroun au regard du pouvoir d'achat qui a été évoqué en quantité et en qualité par Faustin et Touquet tout à l'heure. Cela ne va pas s'avérer finalement comme étant un impôt inhumain. C'était prévu, c'est légal, on va également dire que c'est légitime. Oui, c'est légitime. Les textes sont là et les textes sont clairs. Et déjà, la décision du conjoint du 13 mars 2020 est claire là-dessus. Nous poserons la question de savoir pourquoi on a laissé telle loi validée à l'Assemblée, sinon l'Assemblée signait telle loi, alors que nous avons vous accusez les députés. Les députés qui vont. Ils auraient dû étendre ça également à l'imposition. Ils représentent la population locale. Donc, ils ont vu ce texte validé. Aujourd'hui, qu'ils ne nous disent pas que c'est faux. Nous sommes responsables de ce qu'eux, ils ont fait à l'Assemblée. À ce qui s'agit de humain, ce n'est pas. C'est pas humain. Ils ont discuté du texte, mais ils n'ont jamais trouvé une issue. C'est-à-dire que là, ils ont lancé un débat. Mais ils n'ont jamais tranché sur le débat. Oui, ça veut dire que cette discussion aurait pu être reportée à la prochaine session de l'Assemblée. Oui, oui, la taxe, elle n'est pas inhumaine. Elle n'est pas inhumaine. C'est juste les conséquences. C'est ce que nous dénonçons depuis 38 ans, la malgouvernance. C'est un indicateur, mais les tendances de la malgouvernance. Parce que si on avait bien gouverné ce pays, on allait produire nos téléphones et les acheter. Il y a eu production de téléphones. Production alors de téléphones. Des initiatives privées ici, mais vous ne les avez même pas consommées. Vous avez produit quel téléphone, madame? Non, pas le RDPC. Il y a eu un téléphone camerounais. Donc il y a un téléphone RDPC. Vous ne l'avez pas consommé. Même le gouvernement a eu à faire la promotion de. C'était Cityphone. Vous ne l'avez pas consommé. Non, le Cityphone. L'entreprise, c'est la force des consommateurs. Si vous ne consommez pas, que voudrez-vous qu'on fasse? Vraiment, ceux qui vendent les téléphones là ne vont pas beaucoup vendre. Ça aura un impact négatif. Parce que les gens ne vont plus acheter les nouveaux téléphones. Ils vont acheter les anciens. Comment on dit au quartier, ils vont aller à l'avenue qu'ils achètent des téléphones là-bas. L'État ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. C'est dangereux. Les gens se plaignent au quartier là. Comme on dit souvent que c'est pour vous là-bas. C'est ce que les gens sont en train de dire. Le prince. Et les gens vont pirater. On est Camerounais, vous-même vous connaissez. L'État perd la tête. On va pirater la plateforme là. Et tu vas voir, et ça va créer des emplois. Tu vas voir les gens qui sont dehors là, activation. Les gens ne vont plus désormais baisser les 33%. Moi, je viens de la rue, je vous parle de ce que je connais. Même si on ne va pas encourager. Non, ce n'est pas encourager, c'est la réalité. Non, tel que le système est pensé, ce téléphone, il est déjà, je veux dire, dédouané. Disons, en décembre ou en janvier 2021. L'année prochaine, c'est 2021. D'accord, 2021. Monsieur Oftouke, vous êtes très avancé. Non, c'est que pour ce que le Cameroun peut mettre comme moyen pour encourager les chercheurs, je ne peux remplacer mon téléphone que tous les 5 ans. Donc, ce téléphone qui a déjà 3 ans, avec les ressources très faible que l'environnement camerounais peut mettre à ma disposition, c'est en janvier 2022 que je vais le remplacer. Bon, mais si d'aventure vous pensez que je peux le remplacer dans 3 mois, tant mieux. Donc, je vous le souhaite. Dans 3 mois, j'acquiers un nouveau téléphone. Je sais donc que dès que je vais mettre ma puce que tout le monde connaît, parce que bon, le numéro est déjà enregistré un peu partout, dès que je vais le mettre, l'email va être envoyé, n'est-ce pas, à une certaine plateforme dont le promoteur, ma foi, n'a pas un CV qui peut convaincre, mais c'est un autre débat, parce que nous, on le connaît ni d'Adam ni d'Ève dans le monde des technologies innovantes, numériques et tout. Je ne mets donc pas ma puce. Je cherche une autre puce que je sais que je ne vais pas utiliser. Je peux même la prendre pour l'occasion. Je mets dans cette puce.
cette puce-là va envoyer l'IME. Et puis j'enlève cette puce-là, je la dépose, je ne la rechargerai jamais, je remets mon ancienne puce dans le téléphone, et puis mon téléphone, ça marche tranquillement. Voilà, donc c'est la piraterie. Non, c'est pour dire, comprenons-nous bien. Vous pouvez vous apprendre à Mondo, vous êtes au Camerounais de le faire. Bon, écoutez, quand vous parlez, on ne vous interrompt pas, vous ne savez pas où je voulais aller. Je dis, tout système est contournable, même les lois. Un bon avocat sait comment contourner les lois. Je ne suis pas seulement avocat, je suis ingénieur. Je vous dis donc que tout est contournable. Maintenant, si vous ne voulez pas faire des choses, si vous ne voulez pas que des choses soient contournables, faites des choses légitimes. Quelque chose qui est légitime, vous pouvez avoir des règlements chez vous à la maison. Si vous réussissez à convaincre l'enfant que c'est une norme, c'est une législation qui va pour son bien, il va l'appliquer même quand vous n'êtes pas là. Parce que autrement, vous allez faire croire que les lois ne sont applicables que s'il y a le bâton, c'est la coercition. Ce n'est pas vrai. La preuve, les tribus africaines aujourd'hui, il n'y a plus de coercition. Quand un gars vous dit qu'il est Hondo ou Bamleke ou Bamoune ou n'importe quoi, quand il applique sa tradition, ce n'est pas la coercition, c'est parce qu'il se reconnaît à l'intérieur. Donc il y a des gens qui payent volontairement l'impôt. Il y a des pays où l'impôt, les gars viennent déclarer l'impôt parce qu'ils savent à quoi sert cet argent. Donc au Cameroun, par exemple, on ne sait pas à quoi sert l'impôt. Et même pour être franc, pour le cas du Cameroun, prenez le petit gars de la Libye. Vous savez que sous un certain Kadhafi, parce que, disons, son territoire avait beaucoup de pétrole, les énormes ressources qu'il prenait sur son territoire, il vendait le parce que le pétrole en lui-même n'est pas... Vous ne pouvez pas manger le pétrole. Le pétrole n'est pas une richesse. Le pétrole n'est une richesse que parce qu'il y a des économies développées qui savent comment le transformer. Donc, ce pétrole-là, M. Kadhafi a dit, bon, je vais mettre tous mes gens en l'air. Et c'est ce qu'il faisait. Je crois que les Libyens ne payaient presque pas d'impôts. Ils avaient de l'eau gratuitement, l'électricité et tout. Et des choses comme ça. Bon, entre guillemets, il n'a pas vraiment aidé son pays puisque dès qu'il s'en va, si on met un nouveau régime qui ne redistribue pas, bon, les Libyens retournent un peu à l'âge de pierre. Allez, on vous accompagne. Au Moyen-Âge. Pour dire donc ceci, en fait. Il nous reste 2 minutes. Le problème au Cameroun, c'est la finalité de l'argent public. C'est-à-dire les ressources camerounaises, et mon ancien directeur de thèse, professeur Kounou, a écrit un livre qui s'appelle Pétrole et pauvreté en Afrique au sud du Sahara, où il démontre que les états pétroliers africains n'ont même pas besoin de prélever l'impôt auprès de la population. Donc quand on commence à accentuer la pression fiscale, c'est pour des besoins politiques, c'est pour museler l'opposition, c'est pour les gens se taisent. Vous comprenez? C'est pour ça que le Cameroun peut s'amuser à dire j'achète le sac de ciment à 20 000 francs. Parce que le Cameroun a des ressources qui ne dépendent pas de l'énergie de la population. Alors, madame Dukoumé, est-ce que ce qu'il dit là ne peut pas se vérifier? Le rôle quand même de l'impôt, c'est transformer le quotidien des Camerounais. Est-ce qu'ils vont continuer à adhérer à... Non, mais je vous ai dit d'entrée de jeu... En regardant bien que vous partez de Yaoundé... Je vous ai dit d'entrée de jeu que sur 100 Camerounais, 85 n'ont jamais vu de fiche fiscale. Je l'ai dit ici. Les Camerounais ne payent pas suffisamment leurs impôts. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette léthargie. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'au lieu de mettre en place la responsabilité individuelle, nous passons le temps et la vie à indexer le gouvernement, qui pour nous est un gouvernement vraiment providence. Il subventionne tout. Et ce qu'il a eu à dire par rapport au pétrole au sud du Sahara est vérifié. La preuve, le Cameroun n'en départit pas. Constamment, nous subventionnons le pétrole et le carburant à la pompe. Très bien. François Mboké, votre dernier mot également sur ces statistiques de l'INS, l'Institut national de la statistique, qui parle d'à peu près 4 000 milliards de francs CFA qui ont disparu des caisses de l'État en 4 ans. Est-ce que le problème donc, il y a ces impôts, il faut les implémenter. Est-ce que le problème, ce n'est pas de gérer ce que nous avons? Et la période est bonne parce que le Cameroun s'est engagé à signer les APE en dehors des autres pays qui devaient faire l'ensemble en Afrique centrale, par exemple. Donc, la première année, en 6 mois, on avait déjà perdu 644 milliards. Donc, vous comprenez que à ce jour, la saignée s'est poursuivie et donc des mesures comme ça peuvent paraître salutaires, mais je dis, elles ne sont pas efficaces. Alors, prochain impôt, destination, ça pourrait être les grandes maisons de Yaoundé. C'est le vœu de qui parmi vous qu'on impose également sur les grandes maisons de Yaoundé? Non, qu'on réduit le train de vie des ministres et des directeurs. Il faut voir comment ces gens-là vivent. Qu'on réduise le nombre de membres du gouvernement. Et qu'on réduit les ministères. On n'a pas besoin de plus de 60 ministères au Cameroun. On crée des ministères comme ça juste pour appauvrir les Camerounais. Et puis, le principe de l'impôt, il nous vient quand même du Moyen-Âge. À l'époque, les gens cultivaient la terre, il fallait prendre un peu de ce qu'ils ont cultivé pour que l'État central ait quelque chose pour faire des infrastructures publiques. Les nouveaux pays africains, certains ont une rente où le fruit de la population n'est même pas utile. Comme ce que M. Kadhafi a fait. Vous croyez que c'est la force du travail des Libyens qui construit la Libye? Donc, quand nous avons de la rente, vraiment,
qu'on arrête de penser mécaniquement. Le Cameroun peut être, on peut avoir des grandes infrastructures si les autorités publiques veulent. Mais quand elles ne veulent pas, il y aura pas, elles vont s'enrichir à outrance. Vous allez avoir des gens qui ont 300 millions, on ne sait pas comment ils ont eu 300 milliards. Vous allez avoir des gens qui ont 500 milliards. Vous allez avoir des gens qui construisent tout un quartier, des gens qui construisent tout un parc. Et puis à côté, vous avez des gens qui vivent dans une chambre, ne peuvent pas payer 10 000 francs sans eau, sans lumière, dans le même pays. Allez, donc on aura éventuellement... Donc, on n'est pas tout à fait la problématique la plus importante. C'est une question de philosophie. C'est une question de on aura éventuellement de revenir sur ces politiques publiques. La madame Michèle Florence Dikoumé, merci infiniment d'être venue sur le plateau ce soir. Merci, et je voudrais aussi dire quelque chose. Le temps nous tient là-bas. À travers les grandes opportunités, le chef de l'État est en train de mettre en place une forme de justice sociale où nous n'aurons plus jamais à crier. Non, mais sauf que la justice sociale est seulement restée à Yaoundé. On ne va pas répartir. Il faut étendre cette justice sociale. On va pas ouvrir le débat, je vous en prie. Showwaters, rassurez-vous, vous aurez l'occasion de revenir sur le plateau de Le Débrief pour un autre thème semblable à celui qui a été en débat ce soir. Merci infiniment à Faustin Etouké, il parlait comme politologue. Merci à François Mbouquet, le directeur de publication du journal Diapason, qui nous a fait également l'honneur de venir à ce débat ce soir. Infiniment merci à Michèle Florence Dikoumé qui parlait pour le compte d'IRD. International.